Et salut les tennis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente le livre Méthode de musculation de Olivier Laffey. Alors c'est un livre qui n'est pas spécifique au tennis mais qui est très bien quand même. L'objectif de ce livre est de se muscler de manière autonome et sans matériel. L'idéal quand on est confiné chez soi. Alors on commence d'abord avec le contenu. Il est composé de 5 chapitres et le plus important c'est quand même le chapitre 2. Donc le chapitre 1 reprend les bases de la musculation en abordant de nombreux thèmes pour mieux comprendre avec une sorte de question-réponse. Amplitude, rythme, respiration, série, alimentation, etc. C'est assez intéressant pour ceux qui découvrent un peu la muscu. Le chapitre 2 représente vraiment le cœur du livre et il propose 13 niveaux de programme de musculation. C'est à vous de vous situer pour progresser. Le chapitre 3 rappelle vraiment l'importance de faire des étirements et l'importance de la souplesse quand on fait de la musculation. Il propose de nombreux étirements à faire. Le chapitre 4 parle de l'endurance. Le but est vraiment d'être complet, de muscler le corps dans sa globalité, de ne pas rester sur la musculation pure. Donc c'est assez intéressant au niveau du concept. Et enfin, le chapitre 5 répertorie l'ensemble des exercices proposés lors des programmes, avec de très nombreuses variantes pour s'adapter vraiment à tous les niveaux. Alors les points forts, la promesse d'une musculation sans matériel, pour moi, est tenue. Les seules choses qu'il faut avoir, ce sont des chaises et une barre de traction qu'on va pouvoir installer soi-même sur les chaises. À part ce petit bricolage, vous n'aurez besoin de rien. Les exercices sont très bien expliqués avec de très beaux dessins. Il existe un grand nombre de variations d'exercices pour vraiment s'adapter à tous les niveaux. Ça, c'est appréciable. Et les 13 programmes permettent vraiment d'avoir un programme individualisé à chacun, grâce notamment aux tests de départ. L'auteur est fan de psychologie et en saupoudre un peu l'ensemble du livre, et vraiment dans le bon sens. Souplesse, santé, bien-être, performance, qui rend la lecture vraiment motivante et facile à lire. Ah oui, un autre point fort que j'allais oublier, c'est quand même le côté visuel qui est vraiment joli. Donc ça, c'est agréable. Alors, les points faits, bien que ce soit voulu, le livre n'est pas spécifique au tennis, il s'adresse vraiment à tous les sports. L'auteur affirme que le sans matériel est adapté vraiment pour tous les niveaux. Et je suis vraiment un grand fan du sans matériel, du poids de corps. Donc vraiment, j'adore son approche. Mais je crois qu'on ne peut pas s'empêcher de douter quand même de l'efficacité de la méthode sur des joueurs de très très haut niveau. Genre top 100 par exemple. À qui ce livre est-il destiné? Ben, il est destiné à tous ceux qui veulent se muscler de manière harmonieuse et équilibrée, tout seul, en autonomie, sans matériel. Il est destiné à tous ceux qui veulent augmenter leur performance jusqu'à un très bon niveau. Le niveau 13 est quand même assez hard. Il est destiné à tous ceux qui veulent avoir une meilleure santé. Et voilà, je l'ai dit, ceux qui veulent se muscler mais qui n'ont pas de matériel, qui n'ont pas de coach ou qui n'ont pas beaucoup de place quand on est en confinement par exemple. Je lui mets la note de 4,5 sur 5 car il répond vraiment parfaitement à la problématique qu'il pose, se muscler seul, sans matériel, de manière harmonieuse. Alors oui, presque tous les livres que je vous présente en ce moment, ils ont 4,5 sur 5, mais c'est parce que je commence par tous mes livres préférés, c'est pour ça. Donc évidemment, arrivé un moment, on les aura tous épuisés et la note va diminuer pour les prochains livres. Et donc, voilà pour ce livre. Donc n'hésitez pas, si jamais il vous plaît, je vous mets la description en lien juste en bas si vous voulez aller le consulter ou si vous voulez l'acheter. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas de la partager ou de liker ou de mettre un petit commentaire. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, musclez-vous, progressez et surtout, faites-vous plaisir.